Tu dirais quoi à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer en dropshipping? Tous les matins, le même breakfast depuis plusieurs années. Très très simple. Bouteille d'eau, jus de citron, flocons d'avoine. Et c'est parti. Pas plus, pas moins, on y va. Les gars, en ce moment, je me suis remis à lire. Franchement, il n'y a rien de mieux que les livres. La vérité. Tout ce qu'on voit sur les vidéos YouTube, tout ça, c'est très répétitif et tout. Et dans un livre, il y aura toujours des pépites ou des rappels, des trucs que tu vois pas sur YouTube. Franchement, les livres, même les plus anciens, c'est hyper important. Et c'est pour ça que ceux qui réussissent le plus à chaque fois, c'est toujours des lecteurs. C'est toujours des gens qui lisent des livres. Et bref, un petit hack que je fais du coup maintenant, parce que j'aime pas lire, tu vois, de base, je me mets ici, là, dans mon salon, sur le fauteuil, et je me mets un livre audio sur Audible, là, le truc d'Amazon, pendant une heure, et je fais comme si je fais une méditation. Je ferme mes yeux, je me concentre sur le livre, et pendant une heure, je mets le chronomètre, j'écoute. Hyper important, tous les jours, et quand je ressors de là, j'ai énormément d'idées, j'ai appris énormément de trucs, et en plus, je me sens reposé de ouf, parce que c'est comme si j'avais fait une méditation, j'étais plongé dedans, les yeux fermés pendant une heure, donc testez ce hack, si vous aimez pas lire, je pense que ça peut grave, grave vous changer la vie. Encore une fois, il pleut. Comment je vais aller à la gym? Je suis en t-shirt, shirt, les gars. Faut que je trouve un parapluie, là. Elle a un parapluie. Robin, il est en train de chercher un parapluie. Ouais, c'est bon. Magnifique. Bah voilà, t'es beau comme ça. Ah oui. Regardez ici, les chats, ils ont toujours la queue coupée. Je sais pas pourquoi. Regardez sa queue. Ça va, toi? Ça va, toi? Il est trop mignon. Il est là tous les jours. Il dort devant. Et il a pas de queue. Il a un petit bout de queue. The career is my estate when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. Mais wesh. Kenny, quelque chose à dire par rapport à ta séance? Non, rien de spécial. Je suis en vue d'acheter un chien. Qu'est-ce que tu crois que ça intéresse l'audience, ça? Ouais. Et voilà, fini. Séance finie. Rapide. Et là, on va à la guerre. Les gars, très important de suer, faut être solide, faut avoir un body, parce que je sais pas vous, mais moi, si plus tard je vais m'acheter ma voiture de fou, bon, j'ai ma petite voiture secrète en tête, mais si par exemple je me prends une Lambo, j'ai un body de Brel, tu vois, je suis un cure-dent, je suis tout fin, bah il n'y a pas de prestance, il n'y a pas de charisme. Faut être complet, faut avoir le mindset, faut avoir le body, faut avoir le cash, faut avoir le charisme, et je pense que. Se construire un vrai body, manger sainement, on peut se faire d'équipe et tout, mais c'est ultra important. Vous allez avoir beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de charisme en étant solide physiquement quand vous allez dans votre voiture de fou. Donc voilà, on se tue. Les gars, 100% de ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'e-commerce. Tout.
Si le matin, on peut se permettre de se lever à 10h, 9h ou même l'heure qu'on veut, c'est grâce à l'e-commerce. Si aujourd'hui, on peut vivre dans un appart de plus de 200 mètres carrés, c'est grâce à l'e-commerce. Si on peut avoir ce train de vie-là, sortir, manger avec nos potes autant de fois qu'on veut par semaine au restaurant, c'est grâce à l'e-commerce. Et si nous, on a pu le faire alors qu'on n'a pas de diplôme, on était à l'usine, si on a pu le faire, vous pouvez largement le faire aussi. On est des gars normaux, on n'a rien de plus que vous. Si on a pu le faire, si on a pu construire cette vie, si on a pu faire ces chiffres, vous pouvez le faire aussi. Alors bougez-vous le cul, commencez à bosser, le Q4 arrive. C'est la plus grosse opportunité pour vous cette année d'exploser financièrement. Alors allez-y, bougez-vous. Vous n'avez pas le choix, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fous là, Kenny? Tiens. Qu'est-ce que tu fous là? Je crée des process. Tu fais des process pourquoi? Il y a besoin de process dans le business? Ouais, pour les coms. Tu bois du café? Ouais. Tu dirais quoi à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer en dropshipping? En dropshipping? Qui travaille? Qui se lance. Et qui fasse des process? Non. Ça a rien au début. Juste qui bosse. Qui lance des produits, qui teste du marketing, qui lance des ads. Rien besoin de faire au début. Le process, ça vient avec le temps. Merci pour ton intervention, Kenny. Allez, on retourne bosser. Du coup, voilà les gars, comme Kenny, mon cher Kenny, vous a expliqué, au début, pas besoin de créer des process, on s'en bat les cacahuètes. Non, plus sérieusement, au début, on s'en fout, faut faire les bases. C'est quoi les bases? Bah, process, entre guillemets, faire une bonne sélection de produits, rafaler en créa, une fois que vous avez bien choisi votre produit, créer une landing page de fou, super quali, etc., avec une belle offre. Et vous rafalez, vous y allez, motivation extrême. Vous bossez comme des fous et vous optimisez. Ça marche pas, ok, vous optimisez. Ça marche pas, ok, vous optimisez. Et ça va marcher à un moment donné. Les process, ça va arriver avec le temps. Vous allez mettre des process naturellement parce que vous allez voir qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, vous allez devoir mettre un process par vous-même. Ensuite, vous mettez un process dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. Et en fait, c'est comme ça que ça se crée une brand, ça se crée une boutique e-commerce. Sérieuse, c'est avec le temps, ça se fait pas en claquant des doigts. Dès le début, on s'en fout des process. Le but, c'est d'aller à 2000%, d'avoir la dalle, et vous allez construire votre e-commerce. Il va grandir avec vous avec le temps. Et on regarde beaucoup aussi les frères Samuel et son frère Ruben, je crois, deux mecs d'Amsterdam qui sont à Dubaï et Amsterdam et qui font des millions par an en e-commerce. Et il l'a dit dans un podcast. Sa boutique, sa marque e-commerce qui génère des millions actuellement, eh ben, ça ne s'est pas fait en quelques mois, ça a fait des années et des années. Donc c'est ça les gars, au début, faites les choses bien, les bases, et puis vous allez optimiser au fil du temps. Voilà, c'était un petit conseil pour l'e-commerce. Puis j'espère que vous kiffez ce nouveau format, on se fait des vlogs maintenant. Avec Kenny, on s'est dit que ça nous parle plus, et c'est comme ça qu'on allait plus pouvoir vous partager de la valeur. Donc, on va vous partager de la valeur au travers de nos vlogs, au travers de notre lifestyle. Vous allez voir notre évolution, l'évolution de notre boutique, etc. au travers de nos vlogs. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est là où on regarde tout. Donc, tout ce que vous dites dans les commentaires, vous allez pouvoir le voir dans nos prochaines vidéos parce que je le lis et Kenny le lit aussi. Du coup, voilà les amis. Let's go, moi, je vais bosser comme un fou. Là, j'ai des tâches assez importantes à faire, des dominos, comme on dit. Jamais.
Maintenant que je suis dehors, la part à Pattaya. La part, et il y a du mal. Fin de journée, j'ai travaillé au moins 10 heures aujourd'hui, j'ai tout préparé pour le Q4. On a fini tous les tests et on a recruté un développeur pour optimiser des trucs sur le site web. Les A/B testing vont partir pendant 2 semaines, là. Ça fait beaucoup de cash à investir. Mais bon, nos risques, nos money. Pas de risque, pas d'argent les gars. Là nasceu, põe um estrela, que cata brilhar, lina mar, põe um areia. Nasceu, põe um estrela, que cata brilhar, lina mar, põe um areia, que cata moia. Let's go.